Hello les gens, c'est Lozolog, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire du Survival Games. Alors, je sais que là, ça fait Skyward Survival Games. Non, ça va pas tout le temps être ce rythme parce que regardez ce qu'il y a derrière moi. UHC, eh bien écoutez, c'est pas encore là apparemment, hein, je vois pas ça. Mais je pense que ça devrait bientôt arriver sur le serveur. Et étant un grand adorateur des UHC en tout genre, hein, d'ailleurs il va y en avoir bientôt sur ma chaîne, que ce soit sur le serveur ou non, eh bien vous verrez bientôt des UHC. Et aussi je vous invite hein, à me suggérer des jeux que vous aimeriez voir sur la chaîne, pardon. Dans les commentaires hein, du coup. Et puis moi en tout cas je vous laisse avec les Survival Games. A tout de suite. Et voilà, on est donc dans le in-game hub. Donc on va juste attendre que la partie commence hein. Écoutez, on est là, on y est hein. Écoutez, voilà, ça fait beaucoup de fois que je le dis, je pense qu'on a compris. Donc c'est une map bien sympathique tout cela. Et nous allons donc essayer d'être le meilleur joueur possible et de gagner si possible aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je raconte un peu de la merde depuis tout à l'heure. Mais nous allons, écoutez, aller chercher des enderclays surtout, histoire de pouvoir nous faire un petit drop. Ce qui serait bien sympathique. Alors lui... Ah oui, il n'y a pas le PVP. A chaque fois, ça va me stresser ça. En plus, là, je risque d'être pas très bon au PVP. Vu que j'ai un petit peu changé la disposition de mon bureau. Vu que j'ai un nouveau bureau. Et puis du coup, bah... C'est plus pareil. J'ai mon clavier un petit peu en avant. Et tout ça. Du coup, ça change. Même si le changement, c'est bien, certes. Ok, PVP dans 8 secondes. On va juste attendre. C'est parti. Oh, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai mis 360 depuis tout à l'heure. C'est pas possible hein, ce que je fais. Bref, Enderplay 6, yes. Voilà le machin qui était là. Qu'est-ce qu'on a? De la merde. C'est génial, ça commence bien. Bref, ça c'est hop. Et on va boire ce truc. Et on est parti. Alors au niveau du stuff c'est pas ça encore, mais écoutez, il y a encore moyen de s'améliorer hein, je pense. Il y a même largement moyen de s'améliorer le stuff. Hein. Croyez-moi. Bref, ça, 4 clés, j'en ai que 2, ça va pas m'aider. Bon, vas-y. Ok. Ça devrait aller. C'était assez simple, disons, qu'il est, sans vouloir être méchant envers toi, mais tu... Ok, merde. Pourquoi il y a des gens qui se ramènent aussi? C'est difficile. Du coup, je laisse un... J'ai pas vraiment bien PVP contre lui, je suis un petit peu déçu de ce que j'ai fait, mais bon, écoutez, l'essentiel, c'est qu'on est encore en vie. Tac, tac, tac. Ça c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des jambières, ouais j'en ai déjà. Ah, protection de plantes, je prends. Et ici on a quelques trucs en plus. La bombe de poison d'ailleurs que je vais sûrement jamais utiliser, mais on va quand même la garder, on sait jamais. Tac, et... oh, je viens. Ça lag un petit peu là tout d'un coup. J'ai eu un gros lag. Enfin, un gros lag, vous m'avez compris. Une petite réduction des FPS, mais ça fait quand même assez visible. Bref, du coup, on peut dire qu'on s'en sort plutôt pas mal dans la game, hein, écoutez. Il nous faudra juste quelques autres joueurs, histoire d'approuver notre talent. Parce que, bah, du coup, là, il n'y a pas vraiment grand monde à tuer. Il n'y a pas de boussole ici. Enfin, oh, si. Miracle. Question tract. Ok, alors, on a Best Romain, 140 blocs à peu près. On va essayer de se rapprocher au plus et du coup d'aller le tuer, le petit monsieur. On a un coffre qui vient d'apparaître devant nous, c'est super. Ah oui, ça par contre je dis oui, mais alors à 100%. Ça je dis mais alors mais
Yes, les jambières. C'était vraiment ce qu'il me fallait le plus, là, je pense qu'on peut le dire. Y a un monsieur, merde. je vais juste aller. Bon, bah, de toute façon, j'avais besoin de trucs pour faire un truc à merde avec ces 8. Hop. Ouais, alors par contre, les types de 2, c'est pas trop autorisé, mais c'est pas, on va dire que. On n'a rien vu. Alors, par contre, c'est. Ouais, si on se met à 3 contre moi, on peut s'en sortir. Ouais, mais par contre, si vous voulez m'éviter, venez pas me fight, mais quand même, ce sera un peu con. Hop, l'autre, je sais pas où il est passé, c'est pas grave. On va venir récolter le stuff. Non, il avait des trucs en fer, lui. Je m'en fiche de ce qu'il avait en. Merde. Oh, m'a fait stresser. J'ai. Oh, j'ai ouvert l'inventaire plein de fois. Ok, merde. Par contre, si tu veux me prendre mon stuff, on s'en va plus. Hein. C'est du P2, c'est du P2. Ok, j'ai rien. Ça servait à rien. Bref, du coup, toi, le Kiku, là, depuis tout à l'heure, qui essaie d'un petit peu de m'emmerder, ça va dégager. Enfin, le Kiku, vous m'avez compris, hein, c'est relatif, mais. Ouais, j'ai pas mal d'enderplay, ça c'est nice par contre. On va pouvoir se faire pas mal de choses. On va aller voir monsieur le PNJ. Un petit peu d'armure, ça fera pas de mal. Et puis après, on va faire des armes. Hein, parce que. C'est pas que j'en ai un petit peu ras-le-bol de ma sharpness de vampire, mais voilà. Du coup, on n'a plus qu'à attendre en espérant que la bordure ne joue pas non plus de trop mauvais tours au niveau de ça, parce qu'elle se rapproche quand même assez vite. Ça devrait bientôt être bon. Qu'est-ce qu'on a eu? D'accord, c'est un des pires chests d'armure qu'on puisse avoir là. Je crois qu'on peut vraiment l'affirmer. J'ai vraiment eu un truc nul. En plus, du coup, il y a la bordure qui se ramène. Va me falloir de la vitesse peut-être pour dégager ou alors fighter plutôt. Je pense que je vais la garder pour les fights. Hein. Parce que la vitesse c'est quand même assez utile pour ce PVP, ça. Bah, voilà, c'est utile quoi. Vous m'avez compris. Et du coup, Poppy, truc, qui est pas loin. 42 blocs, qui est là, ok. Bon, du coup, je vous propose d'aller strike. On va pas non plus fuir comme des gros lâches. Et du coup. Ok, d'accord. Si ça commence comme ça le fight, je vais pas m'en sortir. Ok, je crois que je vais run. Ok, je me suis mis mal. Ok, vas-y, on va mettre ça. En espérant qu'il tombe dans le piège. Vas-y, tombe dans le piège. Tombe bien dans le piège. S'il te plaît. Voilà, super ça. Tu es officiellement con. GG. Tac. Et voilà, c'est la victoire. J'avais pas pitché que c'était le dernier player, mais. En tout cas, déjà lui, ce sera quand même bien battu. C'est vrai que j'ai un petit peu fui d'une manière pas toujours top. Mais bon, écoutez, au moins on a réussi à gérer la situation. Voilà. C'est une bien belle game qu'on a fait d'ailleurs. Hein, quand même, c'était sympathique. Voilà. Et du coup, bah, je vous reprends pour une deuxième partie. Puis après, je pense qu'on pourra se laisser là-dessus. Et du coup, bah, je vous dis à tout de suite. Et ben voilà, on se retrouve donc dans la partie. On a le petit Oslo. Cette fois-ci, je vous. Qui nous attend. Eh bien, écoutez, on va prendre ton coffre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un stuff plutôt basique, hein, autant se le dire. J'ai entendu des coffres popper sûrement un là. Ouais, voilà. Je me suis pas trompé. Ici, il y en a un autre. Bah, je vais prendre aussi. Oh, ça, c'est bien ça, le petit plastron. Ça fait bien plaisir quand on avait ce que j'avais. C'est toujours bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une sharpness en pierre. C'est déjà bien pour aller se fight. Un truc à 4 clés. Oh, on commence bien. Franchement, on commence très très bien. On commence très très fort. Ici, doit... ouais, bah voilà, j'ai vu la fumée là-dedans. On va aller prendre le coffre. Oh, oh, oh. Mais c'est quoi ce début de gros malade là? Là, on a vraiment un très très bon début. Je sais pas comment on a. Oh, par contre, le mec là, juste derrière. On va attendre. Hein. Écoutez, je suis sûr que. Il va venir me prendre par derrière. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes prêts? Tac, 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 tac. Voilà, c'était pas bien compliqué dans l'étant donné qu'on avait un stuff quand même bien plus supérieur au sien. Il n'y avait pas vraiment de risque particulier
qui étaient présents, donc bon, c'était assez facile. Bref, ici il y a un autre coffre, on va tout prendre. Bah voilà, on a des jambières, c'est tout ce qui me manquait. On a vraiment un stuff de gros malades là, franchement. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça du coup, mais c'est assez ouf. On peut le dire là, très honnêtement. C'est assez ouf. Donc on va jeter ça. Enfin, pas le jeter du coup, parce que ça se jette automatiquement, mais on va le boire. On n'a pas grand chose d'autre d'intéressant. On a 8 Ender Clay pile assez pour faire un drop. J'ai cru voir quelque chose par là, mais non. Hop là, on fait le petit drop, c'est nickel. Et on va aller. Tac, tac, tac. C'est vraiment une grosse game de la chance là, ce qu'on a. C'est un truc de malade, tout simplement. On a un petit tracker, ça c'est bien. L'instant de match 2, la poison, tiens, je vais la garder d'ailleurs. Ça peut être assez sympa à caler en fight. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on n'a pas grand chose d'intéressant. On va laisser ça au premier. Ouais, non, en fait, non. Parce que sinon je vais stuff les autres et je vais même pas me stuff moi, ce serait assez bad comme idée. Donc du coup on va juste aller fighter les gens. Alors on a un mec à 112 blocs, ça fait assez loin, mais j'ai entendu un coffre. Ouais, mon flemme d'aller le prendre, de toute façon j'ai plus vraiment besoin de beaucoup de stuff là, je pense qu'on peut assez... on peut plutôt le dire hein, là à ce moment là du jeu. J'ai notre stuff d'ailleurs. Hop, lui par contre il a besoin de stuff. Et du coup je pense qu'il va pas forcément apprécier la venue. Voilà, il a pas très bien dû comprendre ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, tu me manques quand tu... Écoutez, moi ça me va. Là, on a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Hop, moins un. Là-bas il y a un autre mec. Je crois qu'ils étaient en team, donc bon, du coup on va aller s'occuper des teamers avant parce que c'est... Bah, les teamers c'est pas bien quoi. Vous m'avez compris. Est-ce qu'il y a... Ouais bon, je l'ai un peu paumé du... C'est pas grave, on a ça, pire. Benilo, 42 blocs, 31 blocs. Ok, juste en dessous. C'est nickel. Ça va être assez facile. Bonjour, tu t'attendais peut-être pas à me voir là, mais je suis quand même là. Hop là. Allez, au revoir. Du coup on va remonter. On a un mec qui a 34 blocs. Il s'est peut-être dit qu'il voulait me tuer. Alors il est où? S'il est dans les souterrains par contre c'est bête. Ok, il est juste là. Ça devrait être assez simple vu son stuff, mais bon, on peut toujours s'attendre au pire comme au meilleur. Ok, alors paf, paf, paf. Voilà, ça c'est fait. On est déjà à 5 kills, c'est plutôt pas dégueulasse, on peut le dire là. On va aller faire un petit drop d'épée. Ici on a des flèches. Hop, nickel. C'est pas un pseudo que j'ai vu là sous la terre? Je sais pas. J'ai cru voir un pseudo, mais bon, j'ai dû mal voir, hein, je pense, parce que le seul mec qui est... Le mec le plus proche, disons, on va dire ça comme ça, est à 150 blocs environ, donc bon, ça m'étonnerait. Hop, la petite Diamond Sharpness 2 qui fait du bien. Est-ce qu'on a encore de la speed? Oui. Par contre, on a plus de fire résistance, du coup, on en reprend. Et voilà. Niveau stuff, vraiment, on est très 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 bien, là, les gens. C'est vraiment très très bien. On a eu un stuff dès le début qui était énorme. Du coup, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, là. Il reste 4 personnes. Ouais, limite, il y avait 13 gens, j'ai presque tué la moitié de la game. Bref, distance 124, il est vers là-bas. On va aller le tuer, le petit Phoenix. Phoenix, bah voilà. Non, c'est Knight 085, pardon. Je me suis boité. Alors, où es-tu? Tu es là. D'accord, il est quand même plutôt pas mal stuff. Hein. Ah non, ça c'est Phoenix, d'accord. Bon, je vais essayer de m'incruster dans le fight. S'il y a moyen. On va... Hop là. Tac. Bon alors ça m'a l'air assez easy à faire. On peut placer son game stack. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est de la speed. Voilà. Et du coup il reste un mec qui a 79 blocs, 65. On devrait pas tarder à le voir. Ok, il est juste là. Claquer speed. Ok, j'aurais pas dû faire ça parce que là du coup j'avais pas prévu qu'il allait passer par là.
Le trajet est peut-être un petit peu plus long que ce qu'on aurait pu penser. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me faut lui? Ok, c'est pas grave. Faut que je fasse gaffe parce que du coup... Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'empoisonner. On va le faire. On va le faire rester dans l'eau, hein, écoutez, c'est pas grave. Tu vas mourir d'empoisonnement, mais... Mais par contre, les bâtons d'âme, c'est pas mal. Non, il devra pas tarder à mourir. C'est bientôt bon, non, là. Ouais. Ah, mais il est chiant, lui. Oh, merde. Le skill. Bref, on va aller le tuer. Oh, yes, il s'est ramassé. Hop là, on va quand même. Voilà, nickel. Ah bah c'était la dernière personne. C'est vrai qu'ils étaient trois. Du coup on a fait 7 kills. Ouais, on a fait même plus que la moitié de la game. C'est assez bien comme game, disons. C'était une bonne game. Et du coup, bah, moi je vais vous laisser là-dessus sur ces petites dernières images. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, peut-être si vous regardez ça avant d'aller vous coucher, ou même une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à dimanche pour le tutoriel. Ciao, ciao.